Hello tout le monde, c'est le 26. On se retrouve pour le 12e épisode de The Grey Garden, il me semble. Et on va essayer de trouver Yosafire. Ah, ça me plaît ça. Oh, il y a quelqu'un ici aussi. Oh non, quelqu'un, c'est l'heure du manger. Vous êtes tous des démons? Non, pas du tout. Il y a quelques anges. Pourquoi êtes-vous là, quoi? Quelqu'un! Oh, quelqu'un d'énergique. Peu importe qui je suis un démon qui passe. Oh, ok, monsieur démon qui... Enfin, madame démon qui passe. Hey! Ah oui, ça doit être pareil que le... Monsieur Oda. En fait, le hey patch, c'est celui avec le... Un bandeau, un peu comme les pirates, tu sais. Est-ce que tu parlais de monsieur Yoda? Ah, est-ce que c'est son nom? Oui, je l'ai trouvé... un étage en dessous et je l'ai renvoyé à son monde. Oh, quoi? Est-ce que c'est vrai? Quelle créature as-tu? Mieux que toi. Ah. Silence, Yosaf. Donne-moi une question sérieuse. Qui es-tu vraiment? Ah, en gros, elle a dit qu'elle pouvait nous ramener dans notre monde. Eh bien, donnez-moi un moment. Non. Qu Attendez. Non, s'il vous plaît. Faut attendre quelques minutes. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que quelque chose m'a stoppé de pouvoir entrer dans le monde. Donc, nous ne pouvons pas y retourner maintenant. Oh, c'est une honte. Je reviendrai avec quelque chose et essayer de ne pas mourir. Flows, je ne sais pas vraiment ce que c'était, quoi. Je ne sais pas non plus. J'ai faim. Oh, nous partons, pique-nique, pique-nique. Oui, vu que la porte est débloquée. Oh, je sens un vide dans mon estomac. Moi aussi. Nous partons. D'accord, monde des flammes, je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est cet endroit? C'est chaud. Je veux du poulet grillé.
D'accord, ok, on en parle ou pas? Salut, au revoir, à bientôt, bye bye. On s'en va, nous, on est comme ça. Je veux rentrer à la maison, je veux rentrer dans le jardin des fleurs. Bon, en gros, ils disent qu'il faut pas retourner en arrière et tout et tout. Je suppose qu'on est dans la merde. Une ville? Ça a l'air. J'ai peur. Oui, allô? Bonjour, pardon. Je suis arrivée dans le Airhead World. Oui. Tu vois. Que devrais-je faire? Il est dans ton monde. Je vais penser à vérifier. Mais pour maintenant, je ne suis pas particulièrement convaincue que je peux faire ça tout seul. Je t'appelle plus tard. Elle dit qu'elle peut battre un dieu. Putain, c'est chiant ça. Je le savais, d'accord, je le savais. Y a personne ici. C'est un monde de démons avec une ville de fantômes. Quelqu'un qui va nous répondre. Oh non. Le pervers McShades. Et comment ai-je gagné ce titre? Tu vas essayer de me tuer? Oui, meurs! Alors, il ne devrait pas vivre ce punk là. Je vais t'attraper. Tu penses que tu peux nous attraper? Cours. Je vais avoir beaucoup d'amusement quand je vais t'attraper. Courez! Ça me fait penser à Mogoku Castle, les mecs. Je suis sûr que je vais même pas savoir où est-ce que je vais.
Bad end. Merci beaucoup. Je sens que ça va me gonfler. Je vais me prendre encore un. Voilà, je savais. Je suis énervée. Je suis sûre que c'est le deuxième. Voilà, je savais. Je le savais. Je le savais. Non, mais putain, mais c'est pire que Mogeko Castle, s'il vous plaît. C'est pire que Mogeko Castle, vraiment. Alléluia. Pas encore. J'ai peur. Cachons-nous là-dedans. Excusez-moi. Froze, est-ce que ça va? Chut. Ah, on les a perdus. Sois pas deg, hashtag, sois pas deg. Et ils ont pris ce chemin? Mec, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'ils sont allés, pardon? Est-ce qu'il est parti? Je pense. Merci, mon Dieu. Je sais pas pourquoi je veux prendre une sieste. Pas de. Pas à manger. S'en fout, mais complètement. Et maintenant? Il n'y a pas d'ange ici, apparemment. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on peut faire. C'est trop dangereux de partir. Trouver de la nourriture? Non, non. Des vêtements. Est-ce que je dois trouver quelque chose? Oui. Et si tout le monde... Ah oui! Elle a trouvé des vêtements dans le truc de vêtements. Et en fait, elle leur dit mettez-les et tout. Parce que comme ça, en fait, quand on va sortir et tout, ils vont croire que et tout, on est bien et tout, alors que non. Ah, voilà, vous avez compris. Tout le monde s'est changé? Oui. Oui. Oui.
On dirait des agents secrets, s'il vous plaît. Et ça fait ailleurs. Ça n'a jamais été le... Enfin, c'est le meilleur boulot, quoi. Ah, c'est parfait. Moron. Quoi? Pourquoi? Noir comme la nuit. En fait, elle pense que ça marchera pas quand on va sortir et tout. Idiote. Elle dit que c'est une bonne idée. Vous pensez à la même chose que moi ou pas? Que faites-vous là? En fait, il les prend pour les gens qui travaillent dans le truc là. Et du coup, il leur dit de sortir de là et tout, et c'est pas bien. Il vous reste genre 30 minutes pour que vous partiez et tout. Vous connaissez le plan, n'est-ce pas? Oui, je me souviens. Oui, s'il vous plaît, sérieusement. Tu vois ce que j'avais dit? Chanceux. Il a dit d'aller dans le... Dans le devant du château, évidemment. Peut-être pour... Si on reste comme ça, déguisé et tout, peut-être que nous pourrons retourner. Dans notre monde. Ouais, trop bien. Nous devons être plus prudents, oui. Excusez-moi, je pensais pas que c'était... Où sommes-nous supposés aller, enfin. Regarde. Ah, oh, le château. Ouais, ça y ressemble. Et ben, allons-y. Bon, bah allons-y, hein. Des yeux de tout enflammés, s'il vous plaît. Comme par hasard, il se met devant moi quand je bouge. Merci. Mais non, mais je fais exprès de bouger. Ah, mais c'est le château, ça! Je pensais que c'était une fumée. Ah, c'est un long chemin, je pense. Mon pauvre cœur. Bon, oui, bref, on y va. Le château enflammé, château de flammes.
Oui, on a compris quoi. Nous sommes les seuls à avoir des cheveux de couleur. Tout le monde est là? On doit tout détruire avec les mains. C'est le souhait du démon. Oh oui, et si vous voyez la fille, le démon fille avec les lunettes rouges, soyez sûr qu'elle le sait. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'est passé quelque chose avec Etio? Je ne sais pas. Nous allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh, dis Arbus, est-ce que tu as vu ça? Oui, je l'ai vu à terre. Qui c'était? Peut-être le gars dehors, Lord Club. Mais ils sont là les autres aussi, non? Oui, je pense que je sais qui. C'est ces quatre filles qui vivent avec dans le village Grey. Mais ça ne devrait pas être mauvais. Non, probablement. Nous devrions ne pas les aider. Oh mon Dieu, que devrions-nous faire? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Que faisons-nous? Bonjour. Je suis à terre. Enfin, c'est le chat de Lord Crab. J'adore dormir dans le couverture de Lord Club, je crois. Arbus. Je suis Arbus, le chat de Lord Club. Enfin, le chaton de Lord Club. J'adore dormir dans la couverture de Lord Club aussi. Ils sont chelous. Hein. Eh bien, Lord Club va être énervé si nous faisons quelque chose par nous-mêmes encore. Devrions-nous reporter ça? C'est vrai, peut-être que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur. Nous ne voulons pas mettre fin comme Yoda. Yoda n'est pas quelqu'un que nous voudrions que nous souhaiterions mettre fin.
Bien. Bien. Devrions-nous retourner? Je connaissais pas ces filles. Oh, Arbus. Est-ce que t'as vu ça? Oui. Je l'ai vu à terre. C'est certainement quelqu'un de dehors, quoi. Oui, quelqu'un de dehors. Sans doute, c'est sûr. Et la personne qui se cache était Etio, n'est-ce pas? Etio, je pense que ça l'était. Ensuite, les filles du village y étaient encore. Encore, ils y étaient. Ce n'est pas vraiment mauvais. C'est quoi, Aojiru? Oh oui, c'est délicieux. Non, je veux dire la situation. C'est définitivement une mauvaise situation. C'est une... Ouais, c'est appétissant. Mais juste maintenant, la bonne Etio a protégé ses deux filles. Avant que nous allons signaler ça, pourquoi ne devrions-nous pas regarder ces deux filles? C'est ce que nous faisons. À propos d'ici? Ici, oui, enfin, je sais pas. Je comprends pas trop des fois en fait. Alors, c'est la mère des pleurs. Bon, je pense que je vais arrêter cet épisode là. On verra là, au prochain épisode ce qui va se passer. Ah mais par contre... Attendez. Ah c'est Ather et Arbus là. D'accord, ok. Donc d'ici là prenez soin de vous et puis bye bye.